بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة الأستاذ خالد الناجي على اليوتيوب. سويت كور ديال لوبتيك جيومتريك. اليوم غنقدم لكم لا بارتي 7 في لو شابيتر ديال لي ميغوار سفيريك. هاد لا بارتي كونسيير لا كونستركسيون دو ليماج دان اوبجي كيما شفنا في لا بارتي 6، مي جو شونج سولمون لو ميغوار مانتونون لو ميغوار كونكاف بار ان ميغوار كونفيكس. اون فا فوار تو لي كا بوسيبل. دونك On commence par les figures. On a deux les figures que j'ai déjà dessinées. Je n'ai pas choisi le temps. Voilà les figures. Les formes, bien sûr, miroir, un miroir convexe. La même chose ici, c'est un miroir convexe. On a fait le troisième cas. On va voir un cas particulier. Donc, c'est un miroir convexe. Donc le premier cas, commençons par le premier cas. La dobena SA a d'avoir l'objet AB. La dobena s'appelle le premier cas SA, elle est négative. Donc ma hdetch la position exactement, mais SA négatif, c'est-à-dire on a un objet réel. Deuxième cas, il s'agit d'un objet, un objet virtuel. Il y en a qu'une la partie opposée, la partie réfléchissante, c'est-à-dire la partie réfléchissante. Et le troisième cas, donc il y en a qu'une SA, donc d'avoir A. Donc SA, elle est entre 0 et SF. Le troisième cas, le 0 wada, entre 0 et SF. Le troisième cas, toujours c'est un objet, car l'objet il est réel, et objet virtuel. Adawa A, B, tel que SA, il est supérieur à SC. Ou là, on peut dire directement à partir de F, on a le même cas, donc S supérieur à SF. Yani, peu importe la position d'IA, de l'intervalle, à partir de F jusqu'à l'infini. Donc, on commence par le premier cas. N'est-ce pas les rayons qu'on va utiliser à la fin de la vidéo précédente, donc interroger les principes de construction. Un rayon incident passant par B et parallèle à l'axe optique, voilà le rayon. Le rayon s'appelle un rayon incident. Le miroir et sera réfléchi en passant par F prime. Donc voilà, arsement le rayon shakl. Donc on dit le rayon, il sera passe par F. Et là, bien sûr, je mets des pointillés seulement. Il y en a de le rayon à ma quinche. Prenons un autre rayon qui passe par B et par C. Le caméra BC. Voilà le rayon. Donc, un de le rayon. Il sera réfléchi sur lui-même. Il y a le centre du miroir. Donc, on a rendu seulement des pointillés. Jusqu'à C pour un hier d'être le rayon. Voilà l'intersection maintenant d'y les deux rayons. Cartena l'image A prime B prime. Voilà A prime B prime. On peut remarquer que l'image, dans ce cas, l'image est virtuelle. C'est une image virtuel et A'B', elle est positif. Il a dit dans le sens positif toujours dit l'axe vertical ouada. Et bien sûr AP aussi, elle est positif. Donc le grandissement gamma est égal à A'B' sur AB. Un domaine de le même sens, donc elle est positif. Passons à la figure numéro 2. Donc un rayon qui passe par B
parallèlement à l'axe optique, on a un rayon qui passe par B, parallèlement à l'axe optique, voilà, le rayon incident. On dirait la flèche. Bien sûr, on a rendu seulement des pointillés. Mais on regarde le rayon parce qu'il ne passe pas le miroir. Le rayon sera réfléchi en passant par F. Donc, grâce à le rayon, voilà. Donc, ici, rendez aussi des pointillés. On regarde le rayon. Il sera réfléchi. Faites le point. Voilà. Rassemblez un autre rayon par une autre couleur. Le rayon maintenant qui passe par B et C. Donc, rassemblez le rayon qui passe par B et C. Voilà, d'abord le rayon. Donc, lorsque le rayon incident rehausse là le point, il sera réfléchi. Donc, on dirait qu'on a des pointillés seulement. Une belle rance regarde le rayon. Puisqu'elle passe par C, elle se réfléchit sur lui-même. L'intersection maintenant, les voies de le point, me donne l'image A' B'. Voilà. A' B'. Déjà, l'image A' B', puisqu'elle ne fait côté l'effet A. La face réfléchissante pour le miroir, donc l'image maintenant, l'image est réelle. On peut remarquer aussi que A' B', il est positif, l'ordinateur a le même sens positif vers le haut, ou bien sûr AB, c'est positif, donc gamma, il est positif. Donc passons. La figure numéro 3, le rayon incident parallèle qui passe par B, parallèle à l'axe optique, voilà le rayon incident. Voilà. Lorsqu'il arrive, le phare du miroir sera réfléchi, donc on a rendu le pointillé seulement. Attendons le point B, mais le badran le rayon. Il sera réfléchi et passant par F. Donc ici, on dit le pointillé. Il n'a qu'un jet de le rayon, normalement. Voilà le rayon réfléchi. On installe un autre rayon. Le plus simple, toujours, droit qui passe par C. Et B, donc un rayon qui passe par C et B, passe par B et C. Voilà. Donc c'est un rayon incident. Donc on a rendu seulement des pointillés. Voilà. Donc, on se regarde le rayon, c'est un rayon incident. On dit les flèches. Donc, c'est un rayon incident, en même temps, c'est un rayon réfléchi. Il a tout rayon qui passe par C et se réfléchit sur lui-même. Donc, les colonnes de double flèche, le sens opposé. Voilà les deux rayons. Maintenant, un rayon réfléchi, les WADA, le premier rayon. Le deuxième rayon, on a. Donc, on va chercher l'intersection. Donc l'intersection des les deux. Donc il y a l'intersection, voilà. A' et B'. Donc, Ashkallah bien A', l'image est virtuelle. Une image virtuelle. On a A', B' qui est négatif. Et là, le sens positif ou là ou le sens positif l'axe vertical ou AB qui est positif donc gamma grandissement et est égal A' B' sur AB fait le halar est inférieur
à zéro. Maintenant, on va étudier un cas particulier, le même cas que je fais à la vidéo précédente. Cas particulier. Voilà le premier cas particulier, parce que j'ai deux cas à étudier. Si c'est confondu avec A, yani l'objet qui est le centre du miroir. Alors, voilà le centre du miroir. Donc, on chauffe nos rayons. Prenons la figure, on a droit de la figure, tel que on a bien l'objet AB qui est le point C, voilà AB. Donc, d'avoir C est confondu avec A, la B. Donc, le rayon incident qui passe par B, voilà d'avoir le rayon incident qui passe par B, ce n'est pas B', mais B. Donc, le rayon incident, il sera réfléchi. Donc, on a rendu le pointillé. Voilà, flèche. Le rayon, il sera réfléchi par le miroir. Il passe par F', la F. Voilà. Donc, ici, les pointillés. Le rayon. Un autre rayon par une autre couleur. Un autre rayon qui passe par le plus simple voie qui passe par le point C, il a A, il est confondu avec C. Donc, un rayon qui passe par F. Donc, un rayon incident. Un rayon incident qui passe par F. Donc, on a des pointillés. Il sort parallèlement. Donc, là, il sort parallèlement. Voilà, on a rendu des pointillés. Donc, tout d'abord, le sens, c'est un rayon réfléchi. On a rendu des pointillés seulement. Voilà, on sera le rayon. L'intersection entre le rayon réfléchi, le premier rayon à d'avoir le premier rayon réfléchi, on a le deuxième rayon réfléchi, l'intersection entre les deux, regardez là, le point B'. Voilà le point B', c'est-à-dire que A il est confondu avec A'. On va démontrer par la relation de conjugaison, relation de conjugaison. Origine au sommet. On a 1 sur SA' plus 1 sur SA est égal 2 sur SC. Or, on a dit que C est égal à. Donc, 1 sur SA' plus 1 sur donc SC est égal à 2 sur SC. Le même calcul qu'on a déjà fait. Donc, on a là 1 sur SA' est égal 2 moins 1, c'est 1 sur SC. Donc, alors bien le point A', voit le point voilà le point C, voilà le point A. Et le grandissement, dans ce cas, le grandissement, il est défini par gamma est égal A' B' sur AB, qui est égal moins SA' à la SA. On a dit que A est confondu avec A', donc moins S. A sur SA, il y en a A', il y a A, il y a C, donc est égal moins 1. Donc, il y a quand est égal moins 1, c'est-à-dire que A', B' est égal moins AB. Donc, il s'agit d'une image renversée, les quatre colonnes asphalte,
l'objet vers le haut. Donc, ممكن من الشكل نكتبه بأن AB إلي بوزيتيف A'B' إلي نيجاتيف مي A'B' إتيغال موان AB يعني عندهم ميم تاي ولكن ليماج إلي رونفيرسي يعني فير لو با. لو دوزيام كا بارتيكولي دونك كا بارتيكولي numéro 2, si A est confondu avec le foyer objet F. Donc ici, l'objet, on a le foyer objet. Voilà la figure, on a droit de l'objet, on a F. Donc voilà le point A ou le point B. Le rayon, dans ce cas, un rayon incident, parallèlement à l'axe optique. Bien sûr, le rayon est pointillé parce qu'il sera réfléchi à le point. Le rayon sera réfléchi à le point, mais elle passe par F'. Donc voilà le rayon. Voilà le rayon réfléchi. Donc, on a un des points. On se rend à le rayon. Maintenant, le rayon qui passe par C et B, a le rayon. Alors, on a le rayon. Voilà le rayon incident. Il sera réfléchi. On a un pointillé seulement. Donc, à l'arbre bien, les deux droites, normalement, sont mis parallèles. Les deux droites sont parallèles. C'est-à-dire que l'image est à l'infini. Donc, dans ce cas, l'image est à l'infini. Parce que les rayons réfléchis, on a le rayon réfléchi jusqu'à ici, des pointillés jusqu'à ici. Les deux rayons réfléchis sont parallèles. Quand on a un chiffre de basit, l'un de chez moi, la hada ou stifsal, mon kin khliab talikat, ou sinon, il y a des vidéos comme ma commune, c'est Khalid Naji. Quand on a partagé la vidéo, ma lazika d'yelkom, ou t'abonner à la canatine Naji Khalid Science. C'est au dire que mon laou, salam alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.